Amanda, reste ici à l'abri avec Gwen. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Sa fille est là. Elle est tout près. Je sens sa présence. Et... elle a besoin de moi. Et moi d'elle. Fais gaffe, ok? Comme toujours. Pourquoi je craque toujours sur des tarés? J'oublie toujours que t'es câline. Je me suis tellement inquiétée, putain. Quand je t'ai plus vue, j'ai cru... Ouais, ça a pris un tournant dangereux. Merci, Max. Me remercie pas si vite. Il faut encore qu'on trouve un moyen de s'échapper d'ici. De cette... réalité. Hé, je me pose une minute. C'était... tordu. Bien comme il faut. Ouais. Qui a besoin de tous les chevaux du roi et de tous ces hommes? T'es là pour recoller mes morceaux? J'ai pas fait grand-chose, tu sais. J'ai pris des photos. Je déteste la fausse modestie. Alors... Il y a moyen qu'ils aient oublié que j'ai essayé de leur arracher l'âme? Ça m'étonnerait. Tous ceux que j'ai rencontrés étaient conscients. Et les lignes temporelles se sont... combinées. Super. Fabuleux. On fera ce qu'il faut. Tu voyages dans le temps, dans des mondes parallèles. Tu recolles tous les morceaux cassés de tes amis instables. Est-ce que tu as d'autres talents? Je peux faire cuire un œuf. Encore des promesses. Quoi? Rien, t'as l'air... particulièrement calme. Alors qu'on est toujours coincé par cette tempête temporelle surnaturelle. Il faut apprécier le quotidien. Les frappuccinos, les soirées films, tranquille avec sa meilleure amie dans le néant. En fait... je suis heureuse que t'aies été là... pour me... mais j'ai déchiré tout le monde, j'en ai fait des tout petits morceaux. Ils te pardonneront. Tu le penses vraiment? Peut-être que moi, je leur pardonne pas. Maya est toujours morte. Je me sens toujours aussi trahie par tout le monde. Ma mère... ne changera jamais. Je crois que le mieux, ce serait... ce nouveau départ. J'ai pas ma place ici. Bien sûr que si. Arrête, dis pas ça.
Après que la fille du portefeuille soit morte, qu'est-ce que t'as fait? Je me suis enfuie. Tu n'es pas comme moi, Safi. Tu es tellement, tellement plus forte que moi. Non, tu peux pas dire ça. Tu sais que c'est faux. Les gens comme toi et moi, on n'a rien à faire dans une école d'art de seconde zone avec des blogueurs ratés, prêts à se poignarder dans le dos pour devenir titulaire. On est... des putains de déesses. T'abuses. Je suis sérieuse. Les trucs qu'on peut faire, c'est des trucs de Dieu. Oh, de monstre. Tu peux penser tout ce que tu veux, des choix que tu as faits. Mais tu n'es pas un monstre. Tu restes mon ami. J'ai blessé des gens. Et j'ai arrangé les choses. On peut tout arranger. Ensemble. C'est évident. C'est pour ça que t'es si confiante. La seule personne sur qui je peux compter, c'est moi. Safi, je... Le dernier fragment de moi, Max. Il est en toi. Pourquoi est-ce que c'est pas douloureux, comme pour les autres? J'ai encore confiance en toi. Ou peut-être que c'est encore la magie de Max qui opère. J'aurais voulu ne pas avoir à te l'enlever. C'est pas bizarre. Ça l'est un peu. Mais qu'est-ce qu'il y a de bizarre quand on est amis? On le fait quand même. C'est notre porte de sortie. J'en suis 100% certaine, oui. C'est la meilleure solution. Il faudrait pas que t'attrapes une infection ou autre. On se voit de l'autre côté. Safia! Oh mon Dieu! Yasmine! Ça va aller, vous inquiétez pas. Vous pouvez vous lever? Vous pouvez... Safi, viens m'aider! Nouveau départ. Tu te souviens? Oh, Maxine... Ne la laisse pas partir. Oh. C'est rien. Safi! C'est ta mère! Ah oui? Maintenant, je suis ma mère. Je peux être qui je veux, Max. Je peux être ton nouveau mec? Je peux être une jolie fille derrière un bar.
Je peux même être... Safi, arrête! C'est bien réel? Je n'ai pas rêvé? Qu'est-ce que tu es? Et qu'est-ce que tu as fait, ma fille? Tu pourrais lui faire oublier ce qu'elle a vu. Même mieux, faire en sorte que je lui tire pas dessus. Tu possèdes un bouton d'annulation sur la vie, Max. Faut t'en servir. Si tu crois que ça marche comme ça, tu sais rien de rien. Safi, il y a toujours un prix à payer. Toujours. T'as raison. J'ai beaucoup à apprendre. Alors apprenez-moi, Mademoiselle Caulfield. Quoi ? T'as dit qu'on pouvait tout arranger. Ensemble. Safi... C'est impossible, j'ai... Enfin, merde, j'ai... Ma vie, tout le monde. Je vais chercher d'autres personnes comme nous. Des personnes qui ont des pouvoirs. Toute ma vie, j'ai pensé que j'étais seule, que je pouvais parler à personne. Parce que sinon, on me regarderait exactement comme ça. Mais maintenant, t'es là. Toi et moi. Une voyageuse temporelle et une métamorphe. Imagine tout ce qu'on pourrait faire. Et qu'est-ce que ça fait si je suis une petite idiote à qui sa mère doit montrer comment marche le monde? Puisque maintenant, il marche exactement comme je veux. Reste ici. Garde ton job, ta vie, ainsi que l'irrésistible gloire que Calédon peut t'offrir. Mais il faut que je sache. Quand je reviendrai, tu te tiendras à mes côtés, Max. Est-ce qu'on est partenaires ? Ou est-ce que tout ce que tu m'as dit n'était que du vent ? Certaine de devoir t'en aller. Y a rien pour moi ici. Enfin... À part toi. Mais tu m'attendras, pas vrai? Fais attention à toi, Safi.